Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode autour de la fabrication de cet escalier. Aujourd'hui, on va débillarder les champs. Alors, si on résume un peu, dans la précédente vidéo, vous m'avez vu assembler le noyau avec le limon et on se retrouve avec des jolies faces courbes continues. Sauf que là, on a du mal à apprécier l'homogénéité de l'ensemble étant donné que les champs, eux, ne sont pas continus. Donc l'idée, c'est de rendre les champs continus d'une pièce à l'autre et de donner la courbe définitive à cet ensemble. À présent, là, dans les premières images, les premières minutes de cette vidéo, vous m'avez vu prendre des mesures au compas sur mon épure et les reporter tout simplement pour trouver les hauteurs à laquelle vont passer chaque ligne, chaque point de ces champs débillardés. C'est très simple au final. Au-dessus de chaque nez de marche, c'est pas vraiment le nez de marche, le dessus de la marche avec la face de la contre-marche, ça me donne des intersections. Et ces intersections, je sais quelles mesures j'ai au-dessus de chaque intersection. Je fais ça pour la face interne, je fais ça pour la face externe, côté vide. Et puis, j'ai plus qu'à passer ma cerce pour relier ces points. Vous m'avez vu faire ça, sauf qu'il faut bien prendre conscience que les hauteurs de coupe ne sont pas les mêmes côté vide et côté escalier. Donc, il est quasiment impossible de mécaniser cette action. Je vais donner des traits de scie en suivant les lignes et après tout nettoyer. La hache, le ciseau à bois, la meuleuse, tout va être bon pour réussir à homogénéiser cette forme et on devrait normalement à la fin de la vidéo obtenir quelque chose de régulier et nous rendre réellement compte des formes, des courbes de cet escalier étant donné que c'était le but à la base de travailler les courbes. Allez, bon film!
Donc à ce stade, vous m'avez vu reporter les points, puis débillarder les champs. C'est un peu laborieux, mais nettement moins que de débillarder les faces. Et puis, bah, ce que j'apprécie, c'est que on a la continuité qui se fait. Ici, vous avez le point de jonction entre le limon et le noyau, et on commence vraiment à avoir le volume dans son ensemble, et ça, c'est vraiment appréciable. De l'autre côté, là, du côté du champ supérieur, j'ai la jonction entre le dessus du limon et l'intérieur de la main courante qui va devoir se faire avec cette singularité, cet arc de cercle. Alors, je pourrais très bien, depuis mon épure, prendre des points et les reporter. Sauf que j'ai une courbe qui est serrée, et pour être capable de la respecter comme il faudrait que j'ai mis plein de points. Or, quand j'ai tracé mes épures, je ne me suis pas dit je vais mettre plein de points ici. J'avais déjà en tête d'utiliser une autre méthode. On se retrouve dans un instant derrière l'ordinateur et je vais tracer le développé, c'est-à-dire la feuille de papier qu'il faudrait plaquer à l'extérieur de mon limon et à l'intérieur de mon limon avec la forme exacte. Je vous passe les détails de tous ces dessins, un petit coup d'imprimante et j'aurai plus qu'à plaquer avant de découper cet arrondi qui va faire tout le charme de l'entrée de cet escalier. La jonction du limon, de la rampe et du noyau se passe ici, à cet endroit, dans cet arc de cercle. La vidéo vous a plu? Bah alors pourquoi vous hésitez? Lâchez un pouce bleu, voire même faites un commentaire. Si c'est une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et nous, bah on se retrouve la semaine prochaine parce qu'on n'en a pas fini avec les courbes. Ici, c'est le poteau d'arrivée. Alors je ne vais pas tout vous dévoiler, mais regardez ici, on est sur du bois massif et là on est sur du lamellé-collé. J'avais envie d'expérimenter une nouvelle technique. Allez, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une première d'une longue série de vidéos autour du lamellé-collé. Bye bye, bonne semaine.